L'art populaire, c'est la mémoire des peuples. Pour raconter l'histoire aux enfants, les Français ont inventé les images d'Épinal. Les Italiens se servent des marionnettes. Dans un vieux théâtre de Turin, les frères Luby racontent à leur façon la belle histoire de l'unité italienne. Le Risorgimento, comme ils disent, la résurrection. La naissance de la nation italienne a été difficile. La France y a joué un grand rôle au XIXe siècle, pendant la guerre d'indépendance contre les occupants autrichiens. Attention, Napoléon III et Cavour vont entrer en scène. Nous sommes en 1858 à Plombières. L'empereur des Français a donné un rendez-vous secret au premier ministre du roi de Piémont, Cavour, pour comploter avec lui la guerre contre l'Autriche. Questa è una guerra che cambierà la carta d'Europa. C'est une guerre qui va changer la carte de l'Europe. Si vous nous aidez, nous vous donnerons Nice et la Savoie. D'accord. Je suis décidé à aider le Piémont dans sa lutte contre l'Autriche. Mais attention, pas question de révolution en Italie. Nous sommes donc bien d'accord. Premièrement, il faut chasser les Autrichiens une fois pour toutes du sol italien. Deuxièmement, le pape conservera Rome. Nous créerons une confédération italienne dont il sera le président. Je vous enverrai 200 000 soldats français. Et pour sceller cette alliance, faisons un mariage. Mon cousin, le prince Napoléon, épousera la fille de votre roi, la princesse Clotilde. Certamente. A più tardi. A più tardi. Cet accord secret de Plombières est lourd d'arrière-pensée. Le lendemain, Cavour écrit au roi de Piémont : J'ai obtenu pour votre majesté la Lombardie et la Romagne, mais en fait, vous serez pratiquement le roi de toute l'Italie. Or, Napoléon III, lui, souhaite une Italie libre, mais non unifiée, pour ne pas faire de peine au pape. En 1858, l'Italie n'existe pas. Le congrès de Vienne l'a divisée en 8 États. Au nord-ouest, la maison de Savoie règne sur la Sardaigne, la Ligurie et le Piémont, capitale Turin. Son roi, Victor Emmanuel II, surnommé Il Galantuomo, s'est juré d'unifier l'Italie sous son sceptre. Au nord-est, les Autrichiens occupent Milan et les riches provinces de Lombardie et de Vénétie, qui font partie de l'Empire austro-hongrois. Plus bas, trois petits États soi-disant indépendants, mais en fait sous la tutelle de l'Autriche, les duchés de Parme, de Modène et de Toscane. Au centre, les États de l'Église, avec Rome pour capitale et le pape pour souverain temporel. Depuis 40 ans, un mouvement nationaliste, romantique et révolutionnaire, les Carbonari, réclament une patrie italienne. Italia farà da sé, proclame-t-il. L'Italie se fera toute seule. En 1848, dans la vague des révolutions qui secouent l'Europe, des insurrections ont éclaté un peu partout, à Rome, à Milan, à Venise, pour chasser les Autrichiens. Mais les Italiens ont été cruellement battus. Non, l'Italie ne se fera pas toute seule. Depuis son plus jeune âge, Napoléon III a toujours eu un faible pour l'Italie. À 23 ans, il s'est fait carbonaro et il a participé au soulèvement de Romagne, où son frère aîné, Napoléon Louis, a trouvé la mort. 25 ans ont passé. Napoléon, devenu empereur, à d'autres soucis. Aussi, Cavour a envoyé en mission très spéciale à Paris la bellissima Contessa de Castiglione pour tenter de réveiller la flamme de Napoléon pour l'Italie. Elle a séduit son cœur, mais sa mission a échoué. Alors, en janvier 1858, le comte Orsini dépose une bombe devant l'opéra pour punir Napoléon, le traître qui a oublié son serment de Carbonaro. Condamné à la guillotine, il écrit à l'empereur « Que votre majesté ne repousse pas le vœu suprême d'un patriote sur les marches de l'échafaud. Qu'elle délivre ma patrie. » Mais il n'y a pas que les sentiments. Quand il décide enfin d'aider l'Italie en 1858, Napoléon III poursuit un vieux rêve, changer la carte de l'Europe. La France est coincée entre les trois grandes puissances qui ont vaincu Napoléon Ier. À l'est, la Prusse de Bismarck, qui s'emploie à faire de la Fédération germanique un nouvel empire allemand. À l'ouest, l'Angleterre de la reine Victoria,
l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, la première puissance industrielle et commerciale du monde. Au sud, l'immense empire des Habsbourg, qui traverse une grave crise économique et politique, mais qui s'étend de Milan à Prague. Le moment est venu de redonner un premier rôle à la France. Napoléon III est au fait de sa gloire et de sa puissance. Grâce à l'expansion industrielle, la France est riche et prospère. Cette année-là, Ferdinand de Lesseps est en train de percer le canal de Suez. La fête impériale bat son plein et personne ne se doute qu'à Plombières, Napoléon a décidé en secret de faire la guerre à l'Autriche. Jusqu'au jour où, à un bal à la cour, il lâche une petite phrase perfide à l'adresse de l'ambassadeur de Vienne, le baron von Hübner. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche me charge de vous transmettre ses respects. Baron, je suis désolé que les relations entre nos deux pays ne soient plus aussi bonnes que je désirerais qu'elles fussent. Néanmoins, veuillez transmettre à Vienne mes sentiments d'estime pour votre maître. En réalité, quelle qu'a été l'intention de l'empereur, ce mot, qui en somme n'a jamais été désavoué officiellement, a paru à l'opinion attentive comme l'annonce d'une intervention prochaine contre l'Autriche en Italie. Pourquoi cette intervention contre les Autrichiens ? Ah bien, parce que les Autrichiens apparaissaient comme les garants, les représentants de ce statu quo issu du Congrès de Vienne après la défaite de Napoléon Ier. Et comme ils représentaient l'Ancien Régime, leur défaite semblait la condition nécessaire pour effacer cet ancien régime européen. En France, on peut dire que tous les milieux conservateurs, non seulement les milieux financiers, mais aussi les milieux catholiques, étaient opposés à la guerre, étaient opposés à l'intervention en Italie, parce qu'ils craignaient de remettre en cause ce succès qu'avait été l'Empire autoritaire pour les conservateurs depuis le coup d'État. Et les catholiques, notamment, craignaient à juste titre pour la souveraineté temporelle du pape à Rome et dans ses environs, n'est-ce pas, en Italie centrale. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire que Napoléon III, en intervenant en Italie, agissait contre toutes les classes dirigeantes de la nation. Tous les démocrates, n'est-ce pas, non seulement les républicains, mais ceux qui, parmi les partisans de l'empereur, représentaient en somme la gauche du bonapartisme, alors, cela était au contraire très favorable à l'intervention en Italie. Le royaume d'Italie, au temps de Napoléon Ier, avait fait partie, n'est-ce pas, de cette Europe, fille de la Révolution française, et comme l'empereur, il pensait qu'il fallait faire quelque chose pour l'Italie. C'était une façon aussi de, comment dirais-je, de montrer la renaissance de la France, n'est-ce pas, protectrice des nationalités. Quelques jours plus tard, au palais Madama, à Turin, s'ouvre la session du Parlement piémontais. Dans son discours du trône, le roi Victor Emmanuel II dévoile à son tour ses batteries. Signori senatori, signori deputati, messieurs les sénateurs, messieurs les députés, notre pays a acquis du crédit dans les conseils de l'Europe. Car s'il est petit par la taille, il est grand par l'idéal qu'il représente, par la sympathie qu'il inspire. Cette situation n'est pas sans péril, car malgré notre respect pour les traités, nous ne pouvons rester insensibles aux cris de douleur qui, de tous les coins de l'Italie, monte vers nous. Maintenant, tout le monde a compris. La guerre de libération approche. L'Italie est folle d'enthousiasme. L'artisan de toute cette combinaison, c'est le comte Camille de Cavour, premier ministre du roi de Piémont. Nous nous trouvons ici, dans le bureau du comte de Cavour, reconstitué avec ses meubles d'origine,
dans une pièce du palais Carignano à Turin. Cavour, petit, myope, ce riche aristocrate piémontais est l'Européen le plus habile et le plus intelligent de son époque. Son but, unifier l'Italie sous le sceptre de la maison de Savoie pour en faire une monarchie constitutionnelle à l'anglaise. Il a réussi à entraîner Napoléon III dans sa croisade, mais il lui reste à convaincre les grands patriotes italiens, Mazzini et Garibaldi, qui sont républicains et qui se méfient de lui. Le vieux Giuseppe Mazzini, le grand romantique, le révolutionnaire, qui a créé en 1848 l'éphémère République de Rome. Et Garibaldi, l'aventurier, le condottiere, la nouvelle idole des patriotes, qui, à la tête de ses volontaires, lutte depuis 10 ans pour la liberté et pour la République. Quando parliamo di patrioti più avanzati, di patrioti democratici. Il faut bien se rendre compte que pour ces patriotes démocrates, la collaboration avec Cavour avait des limites. Il punto discriminante che impedisce una piena collaborazione. Cominciamo anzitutto a riferirci a Mazzini. Surtout Mazzini. In una sorta di appello agli italiani. En mai 1859, il lance un appel au peuple italien pour le mettre en garde contre ce qu'il appelle une guerre royale et impériale, comme il dit. Et il conclut, la seule façon pour un peuple de se libérer démocratiquement est de le faire de ses propres mains. D'autres, en revanche, étaient prêts à collaborer avec Victor Emmanuel et avec Cavour. Non sans réserve, bien sûr. Pour les Garibaldi, les Farina, les Molenchini, c'était une première étape provisoire. Une solution intermédiaire qui devait un jour conduire à l'unité italienne. Après l'entrevue secrète de Plombières, la France et l'Italie ont signé un traité d'alliance officiel. À la cour de Vienne, c'est l'indignation. Le jeune empereur François-Joseph, qui est monté sur le trône à l'âge de 18 ans, s'apprête à relever le défi pour défendre ses possessions italiennes de Milan et de Venise. En fait, il court tête baissée dans le piège tendu par Napoléon et Cavour, comme l'explique le professeur autrichien Wandruska. Le fameux théoricien de la guerre, le Prussien Charles de Clausewitz, en outre admiré beaucoup du Saint-Père du marxisme de Charles Marx, de Friedrich Engels, de Lénine, de Mao, de Trotsky, a défini, comme on sait, la guerre, la continuation de la politique avec des autres moyens. Et c'est exactement très vrai aussi pour la guerre autrichienne en 59 contre la France et le Piémont, le royaume du Piémont et de la Sardaigne. Parce que la politique autrichienne avait souffert des contradictions. Au fond, l'Autriche menait une guerre défensive, mais elle l'a fait avec une fuite en avant. Elle s'est fait provoquer par les deux conjurés, Napoléon III et Cavour, les deux conjurés de Plombières, de attaquer comme première, avec son fameux ultimatum, avec, sa fameuse sommation, qui faisait apparaître l'Autriche aux yeux du monde comme l'agresseur. Le 23 avril 1859, François-Joseph envoie un ultimatum au Piémont. Victor Emmanuel le rejette. C'est la guerre. Début avril, une armée autrichienne de 150 000 hommes traverse le Tessin et marche sur Turin, mais sans se hâter. En fait, son commandant en chef, un Hongrois de 61 ans, le maréchal July, est partisan d'une stratégie défensive, tandis que Vienne le presse d'attaquer les Italiens avant l'arrivée des Français. Aussi, son armée, qui tourne en rond, a mauvais moral. «
l'armée autrichienne était composée de peuples ethniquement très divers, de différentes langues. Il y avait des soldats et des officiers italiens du règne de la Lombardie de Venise. Il y avait les Hongrois et les Croates qui, il y avait 10 ans, avaient combattu férocement l'un contre l'autre. Il y avait toutes les difficultés et le corps des officiers était découragé. Et le jeune empereur François Joseph, qui croyait pouvoir sauver la situation en allant lui-même en Lombardie, en prenant le commande suprême, a contribué à faire encore plus de confusion. L'armée piémontaise marche au-devant des Autrichiens et prend position. 60 000 hommes seulement. Les Français sont encore loin. À 1 contre 3, le combat serait sans espoir. Il faut gagner du temps. Pour retarder l'avance des Autrichiens, les Italiens ouvrent les vannes des canaux d'irrigation et inondent les plaines de Lombardie. L'armée piémontaise a été réorganisée sur le modèle de l'armée française. Commandée par le maréchal de la Marmora, le créateur des célèbres bersagliers, elle a déjà fait ses preuves 5 ans plus tôt aux côtés des Français pendant la campagne de Crimée. Début mai. Les Autrichiens ont laissé passer l'occasion d'écraser la petite armée piémontaise. Voilà les Français qui arrivent. Et plus vite que prévu, grâce au train qui fait son entrée dans la guerre moderne. Du 10 au 20 avril, 30 trains par jour quittent la gare de Lyon à Paris, emportant 75 000 hommes et 5 000 chevaux. Sans le train, il aurait fallu 2 mois pour les amener à pied d'œuvre. En 10 jours, ils atteignent les ports de Marseille et de Toulon, ou les gares de Grenoble et de Savoie. Et de là, ils gagnent l'Italie. Cinq corps d'armée, plus la garde impériale. Que ces photos de l'époque, documents uniques, qui datent de 1859, font revivre de façon saisissante. Les Zouaves, surtout, avec leurs longues barbes que les Russes ont pris pour des Turcs à Sébastopol. Des soldats superbes, tous vétérans des campagnes d'Afrique et de Crimée. Les grenadiers de la garde en bonnet à poil. Les chasseurs d'Afrique, les guides, les dragons de l'impératrice, les voltigeurs, les chasseurs à pied. La Légion étrangère, enfin, et un régiment de tirailleurs algériens, surnommés les Turcos. 170 000 hommes en tout, appuyés par une artillerie moderne, plus de 400 pièces à canon rayé. Le musée d'artillerie de Turin a conservé des exemplaires de ces engins révolutionnaires, dont un Italien, le général Cavalli, avait eu l'idée le premier, comme le raconte le colonel Amoretti. Le général Giovanni Cavalli, officier d'artillerie de l'armée sarde, était déjà bien connu en Europe depuis 1846, lorsqu'il s'était porté en Suède pour achever le petit modèle des canons rayés que nous voyons ici. L'éclat de l'invention Cavalli avait ramené en Suède un grand nombre d'officiers d'artillerie de toutes parties d'Europe. Entre eux, le général Lait de l'armée française, envoyé de Napoléon III. À partir de là, le général Lait devait mettre au point le canon modèle 1858 qui portait son nom et qui allait faire sa première apparition dans les plaines d'Italie. Les avantages de cette pièce d'artillerie très légère, avec un affût moderne et efficace pour l'époque, étaient la portée.
Une portée qui est arrivée jusqu'à 3200 mètres au lieu de 1200 de pièces du même point à canon poli. Enfin, une précision absolue, tant que les techniciens français affirmaient qu'il était possible avec ce canon de prendre un homme à cheval à la distance de 1700 mètres. Les munitions, on peut les comparer avec les boulets sourds à canon poli à l'époque. Voyez la différence de volume, et on peut imaginer l'effet sur l'objectif d'une grenade éclatant au lieu d'un simple boulet sourd qui battait seulement contre l'objectif. On voyait ici comme se mettait la grenade dans la bouche du canon à l'aide de ces talons de zinc qu'on faisait comme des guides sur les rayures qui se trouvaient dans la bouche. De leur côté, les Autrichiens étaient équipés de ces curieuses fusées, ancêtres des roquettes. La spécialité de cet armement était la grande portée. Plus de 7 km de portée avait, bien plus grande que celui de l'artillerie conventionnelle de l'époque. Au contraire, il avait une précision très faible. La charge qui contenait les fusées peut être de matériaux incendiaires ou bien de grenades à main qui éclataient en arrivant sur l'ennemi. Le 18 mai, Napoléon III débarque à Gênes et prend aussitôt le commandement en chef des troupes alliées. Les soldats français sont accueillis comme des libérateurs. Le plan de l'empereur est d'effectuer une marche de flanc pour tomber sur Milan par le nord, alors que tout le monde l'attend dans le sud, comme son oncle Bonaparte. Grâce au train qui transporte rapidement les troupes françaises, la manœuvre réussit et surprend les Autrichiens. Le 20 mai, première rencontre à Montebello. La cavalerie piémontaise et le 2e corps du maréchal de MacMahon culbutent une force autrichienne deux fois plus nombreuse. C'est ici que les Piémontais, devant la fougue des soldats français, inventent l'expression « la furia francese ». 10 jours plus tard, le 31 mai, à Palestro, le 3e zouave charge à la baïonnette, met en déroute toute une brigade autrichienne et s'empare de 5 canons. Sur le champ de bataille, le roi du Piémont, Victor Emmanuel, qui a participé à l'attaque, est fait caporal d'honneur des Zouaves. Les Zouaves, c'est la troupe d'élite de la campagne d'Italie. À l'origine, ils étaient recrutés en Algérie parmi les Kabyles, mais maintenant, ce sont uniquement des Européens habillés à l'oriental. Ce curieux uniforme leur donne une grande liberté de mouvement. Spécialistes de l'assaut à la baïonnette, on les a surnommés les chacals. L'armée piémontaise a aussi sa troupe d'élite, les bersagliers, qui portent un pittoresque panache en plumes de coq et qui sont réputés pour leur courage et la précision de leurs tirs. Le 1er juin, l'armée française franchit le Tessin sur 2 ponts et avance sur la route de Milan. Mais elle va se heurter à 60 000 Autrichiens retranchés dans Magenta. Le 2e Zouave et les grenadiers de la garde, arrivés les premiers, attaquent à 1-5 et s'emparent du pont 9 qui commande l'entrée de la ville. À 7 heures du soir, le sort de la bataille est encore indécis. Quand MacMahon débouche enfin avec ses 25 000 hommes et ses cris, « Voici la Légion, l'affaire est dans le sac. » Dans la nuit, on s'est encore battu de maison en maison. 2 généraux, 4 colonels et 4000 soldats français ont été tués. Mais la route de Milan est libre. Le 8 juin, Napoléon III et Victor Emmanuel font une entrée triomphale dans Milan libéré, et couverte de drapeaux français et italiens. Les soldats français sont fêtés et adulés par les belles dames de Milan. Grisé par cette atmosphère et par le souvenir glorieux de son oncle Bonaparte, Napoléon III déclare aux Italiens « Bientôt, vous serez citoyens libres
d'un grand pays. Paroles imprudentes. En Italie, un mouvement révolutionnaire se développait, n'est-ce pas? Et ce mouvement révolutionnaire se développait sur les arrières et sur les flancs de l'armée française. Et elle risquait d'aller beaucoup plus loin, naturellement, que Napoléon III ne l'avait voulu, puisqu'il voulait un mouvement en faveur de l'Italie, mais limité. Et d'autre part, il y avait alors l'influence de l'intervention, notamment de la Prusse et des États allemands, qui menaçaient d'intervenir aux côtés de l'Autriche, le mécontentement de l'Angleterre. En somme, les difficultés s'accumulaient au fur et à mesure qu'on avançait vers l'Europe centrale. Cavour a mis la main sur la Toscane. À Parme, à Modène, se forment des gouvernements provisoires. Plus grave encore, les États du pape sont menacés par l'irrésistible mouvement national et libéral qui soulève toute l'Italie. Une petite troupe de volontaires mène sa propre campagne sur les flancs des armées alliées. La brigade des chasseurs des Alpes de Garibaldi. Le grand patriote, dont le prestige est immense, est rallié au roi de Piémont, mais sur son passage, la révolution éclate comme une traînée de poudre. Les volontaires républicains se précipitent à son appel. Étrange compromis entre la guerre des rois, suscitée par Cavour, et la guerre du peuple, personnifiée par Garibaldi. Le 27 mai, Garibaldi s'est emparé de Côme après un combat furieux à Sanfermo. Sanfermo della Battaglia, où son biographe, un Anglais, oui un Anglais, M. Max Smith, nous parle du mythe de Garibaldi. Le mythe de Garibaldi est demeuré intact parce qu'il se battait pour une cause juste et sincère. Bien qu'on l'ait un peu idéalisé, il demeure le symbole parfait du nationalisme, un des héros les plus purs du nationalisme du XIXe siècle en Europe. La grande masse du peuple n'avait probablement jamais entendu prononcer le mot « Italie » avant que Garibaldi ne vienne lui en parler. Et si elle y a cru, c'est grâce au prestige fascinant de cet homme extraordinaire. D'abord, c'était un grand général, peut-être le plus grand général italien de l'époque moderne. Mais c'était aussi un homme sincèrement démocrate qui a su convaincre le peuple que sa cause était juste et qu'il valait la peine de se battre pour elle. Un atout incomparable pour le Risorgimento. Cavour le savait bien. Et il a utilisé Garibaldi en l'autorisant à constituer un corps de 3000 volontaires, mais pas plus. Les autres devaient s'enrôler dans l'armée régulière piémontaise, car Cavour ne voulait pas risquer une nouvelle révolution, comme en 1948. Juin 59. Malgré la victoire de Magenta, la guerre n'est pas finie. L'armée autrichienne, battue mais non détruite, s'est repliée vers l'Est, en bon ordre. L'impétueux empereur d'Autriche, François-Joseph, qui a 29 ans, prend alors le commandement suprême et décide de marcher à l'ennemi. Les deux armées vont se rencontrer ici, à Solferino, au pied de cette tour où va se jouer le sort de la guerre. L'empereur d'Autriche, François-Joseph, a établi son quartier général ici, à Cavriana, à quelques kilomètres de Solferino. La tradition veut que le vainqueur d'une bataille vienne coucher dans le lit du vaincu. Lequel des trois souverains couchera ce soir à Cavriana? Parlons un peu de la qualité ou des qualités militaires des trois souverains. Napoléon, certainement, a été défini un bon militaire, mais pas un grand chef. Et il a étudié au fond les questions militaires. Il disposait d'un état-major très effectif et homogène. Il n'était pas un génie, mais il a été un bon militaire. Tandis que les deux autres, les deux cousins, parce qu'ils étaient des cousins, leur grand-père était des frères, Victor Emmanuel et François-Joseph avaient en commun la grande passion pour les choses militaires, mais ils n'avaient aucun talent
stratégique. L'armée impériale autrichienne avait en ligne 160 bataillons d'infanterie, 80 escadrons de cavalerie, artillerie en proportion, un effectif total de 160 000 hommes. Le 23 juin au soir, les Autrichiens avaient avancé avec confiance au-dessus du Mincio, traversant la rivière sous six ponts, en deux armées totalement réorganisées, se déployant sur la ligne Pozzolengo, Solferino, Cavriana, Ghidizzolo, Medole. L'armée alliée franco-sarde, qui allait se heurter avec les Autrichiens, était en train de passer en force le fleuve Chiesé. Elle comptait 5 corps français, y compris la garde impériale, et 5 divisions sardes. En somme, 17 divisions d'infanterie, 5 de cavalerie, environ 160 000 hommes en total. L'intention de l'empereur Napoléon III était de s'emparer des hauteurs de Solferino et de Pozzolengo pour se préparer de là à franchir les Mincio de vive force. L'ordre de marche des alliés pour le 24 juin faisait avancer les six corps sur un front de 12 à 15 km. C'est dans ces conditions-là que se heurtèrent les deux armées, tous deux en intention d'offensive, mais ne s'attendant ni l'une ni l'autre à livrer une grande affaire dans cette journée du 24 juin. Les Autrichiens ont l'avantage du terrain. Ils sont installés sur des hauteurs formidables, comme San Martino, où le monde est si près. En apercevant les Français, François-Joseph s'écriera « Les voilà, je les tiens ». Au centre du dispositif autrichien se dresse la falaise escarpée de Solferino, la clé du champ de bataille, surmontée de la fameuse tour baptisée la Spia d'Italia, l'espionne d'Italie. D'ici, on aperçoit non seulement le petit village et son cimetière, mais toutes les plaines de Lombardie et de Vénétie qui s'étendent jusqu'à l'horizon. Parti en tête à 3 heures du matin, le premier corps français de Baraguet-Dillier marche sur Solferino, ignorant que les Autrichiens l'occupent depuis la veille. À 5 heures du matin, la bataille s'engage à l'improviste. Quand Napoléon, qui était en train de prendre son petit déjeuner, accourt sur le champ de bataille à 7 heures du matin, la mêlée est générale sur 15 km de front. Napoléon a compris que le sort de la bataille se joue au centre, où le premier corps subit des pertes terribles. À 10h30, il lance le deuxième corps de MacMahon et la garde impériale à l'assaut de Cabriana. L'empereur, qui a eu une de ses épaulettes dorées, arrachée par une balle ennemie,
se tourne vers les voltigeurs et les chasseurs à pied de sa garde et leur crie « Culbutez-moi tout ça à la baïonnette !» Au bout de 3 heures de furieux combats, les zouaves et les fantassins de la division Bazaine occupent le cimetière et le village de Solferino. À 1 heure, la tour est prise, la partie est jouée. Mais tout l'après-midi, les Autrichiens s'acharnent et contre-attaquent à droite dans la plaine de Médolé. Les chasseurs d'Afrique et les Turcos vont briser leur élan. Pendant ces combats, qui durent jusqu'au soir sous un ciel d'orage étouffant, l'artillerie des deux camps écrase le champ de bataille. En fin de journée, sur l'aile gauche, Victor Emmanuel et l'armée piémontaise, qui mènent une bataille séparée et difficile contre le 8e corps autrichien, s'emparent de San Martino dans un ultime assaut. À la fin du jour, l'orage a enfin éclaté. Un ouragan de pluie et de grêle qui s'abat sur le champ couvert de morts et de blessés. Les Autrichiens ont profité de la nuit et de l'orage pour battre en retraite. Grande bataille, grande victoire, écrit Napoléon III à Eugénie. Mais à quel prix? Le lendemain, les routes, les ravins, les rizières apparaissent jonchées de morts, de blessés, d'agonisants. 39 000 tués et blessés, 22 000 Autrichiens, 12 000 Français, 5 000 Piémontais. 4 généraux français et 11 colonels sont morts à la tête de leurs troupes depuis le début de la campagne.
Napoléon III, qui est revenu sur le champ de bataille, est bouleversé par le spectacle. L'odeur, les gémissements, les mouches et tout ce sang. Blême, les dents serrées, il ferme les yeux. Dans tous les petits villages des environs, comme ici à Castiglione, on se souvient encore. Ah, io ricordo ciò che mi diceva mio nonno, appunto perché aveva assistito quando appunto arrivavano i feriti da Solferino. Je me souviens de ce que disait mon grand-père, qui avait assisté à l'arrivée des blessés de Solferino. La population est allée au-devant d'eux à l'entrée du village pour les aider. Elle les transportait dans des charrettes et les posait sur la paille. Il y en avait tant qu'on ne savait plus où les mettre. Toutes les églises des environs étaient transformées en hôpitaux où les chirurgiens opéraient avec des moyens de fortune dans une chaleur épouvantable. Dans la cathédrale de Castiglione, on avait entassé plus de 500 blessés. Un autre homme est bouleversé. Henri Dunant, un jeune courtier de banque suisse qui passait par là et qui a assisté à toute la bataille. Il a vu massacrer des blessés et maintenant, il assiste à l'agonie des rescapés. C'est ici, à Castiglione, horrifié par tant de souffrances, Henri Dunant prend la résolution de créer une association internationale pour tenter d'humaniser la guerre. Ce sera la Croix-Rouge. Juillet 59, coup de théâtre. Napoléon III propose à François-Joseph de le rencontrer à Villafranca et d'arrêter la guerre. Il exige Parme et la Lombardie pour le Piémont, l'Autriche pourra conserver Venise. L'armistice est signé et les deux empereurs se séparent très contents l'un de l'autre. Les Italiens, eux, sont ulcérés. Cavour supplie Victor Emmanuel de poursuivre la guerre, même tout seul. Comme le roi refuse, il offre sa démission. Pourquoi l'empereur a-t-il conclu cette paix prématurée à Villafranca? D'abord, Napoléon a été fortement ébranlé par le carnage de Solferino. Mais il y a aussi d'autres raisons militaires et politiques. Il est certain que la mobilisation de l'armée prussienne sur le Rhin préoccupait l'empereur. Il ne pouvait pas se battre sur deux fronts, contre l'Autriche et contre la Prusse. D'autre part, il n'aimait pas ce que Cavour faisait dans son dos. À Plombières, il s'était mis d'accord pour faire de l'Italie une confédération dont le Piémont ne devait être qu'un des États membres. Le pape devait être président, la Toscane devait rester indépendante, etc. Tout ceci avait été confirmé par le traité d'alliance de 1859. Mais Cavour s'est vite aperçu qu'il pourrait obtenir davantage en encourageant dans la coulisse les soulèvements en Toscane, à Parme, à Modène et même dans les États du pape. Or, ceci était très embarrassant pour Napoléon, car les milieux catholiques de France
ne pouvait accepter qu'on touche au pape. Il y avait le poids des catholiques françaises, l'influence de l'impératrice Eugénie, qui n'aimait pas cette guerre, pas seulement parce qu'elle était peut-être jalouse des belles dames de Milan, mais parce qu'elle était une catholique fervente et elle ne voulait pas sacrifier l'état de l'Église. Pour l'Italie, Napoléon III, le libérateur, redevient un traître, un parjure, un félon. Les rues se vident sur son passage et il quitte Turin sous les huées, escorté par un régiment de cavalerie. Il n'aura pas tout perdu. Dans cette aventure, il récupérera pour la France Nice et la Savoie. Mais désormais, il est isolé diplomatiquement. Il se retrouvera seul face à la Prusse en 70. Les Italiens de l'époque étaient injustes. L'unité italienne est en marche. Plus rien ne l'arrêtera. L'année suivante, les volontaires de Garibaldi vont conquérir Naples et la Sicile. 10 ans plus tard, l'Italie sera unifiée. Et tout avait bien commencé ici, à Solferino.